4 ans après, elle a choisi les années tubes. Elle a choisi de venir chez vous pour vous présenter son nouvel album. Voici Mylène Farmer. Mylène Farmer. Mylène. 4 ans, c'est long. Hein.
4 ans, c'est long. Alors, est-ce que c'est un rythme qui vous satisfait comme ça, de prendre le temps, de laisser mûrir les choses et de présenter un album parfaitement terminé, parfaitement fini? Ça vous manque pas, ça, Vidane? Ça me manque. C'est pourquoi j'ai décidé de monter sur scène plus rapidement, donc en septembre. Donc on en parlera. Ce sera à partir du 24 septembre. Alors, ces 4 ans de gestation, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à l'album que vous étiez venu présenter ici au mois d'octobre 95? Essayer de vivre différemment, lire, voyager, rencontrer d'autres personnes. Et puis la réécriture, donc se nourrir au maximum pour pouvoir donner d'autres choses. Et la Chine, parce qu'elle a une place importante dans les images qu'on va voir dans un instant. La Chine, vous l'avez découverte quand, dites-moi, Mylène? Écoutez, j'étais allée à Hong Kong une seule fois, mais très brièvement. Donc j'avais très peu de souvenirs. Et là, je suis restée à Hong Kong et Pékin. Beijing. Trois semaines. Alors, vous avez rencontré un homme qui est un metteur en scène extrêmement talentueux. Oui, qui a fait 15 longs métrages. 15 longs métrages. Et vous lui avez demandé, là aussi, c'est une de vos particularités, c'est le soin que vous apportez aux images qui accompagnent vos chansons. Vous lui avez demandé de mettre en scène votre clip, c'est ça? Absolument. On peut regarder un bout? Bien sûr. Allez, on regarde un petit bout puisque nous allons parler de cette langue universelle qui est l'image. Alors regardez bien, c'est ce clip tourné à Beijing, à Pékin, il y a quelques semaines de cela. On peut dire qu'à chaque fois, on n'est pas déçu. En ce qui vous concerne et en ce qui vous concerne vos clips pour la créativité, surtout ne me tirez pas la langue. De grâce, ne me tirez pas ce qui s'est passé dans le clip. À Bercy, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous offrez à ceux qui vont venir remplir plusieurs soirs de suite à partir du 24 septembre la salle, Mylène? Oui, il me semble que l'émotion est la chose primordiale et c'est ce que j'ai. Merci beaucoup, Mylène, d'être venue ce soir. Merci. De réserver cet album, cette chanson, un extrait de ce clip. Et à très bientôt. Merci en tout cas, le 24 septembre à Bercy. Moi, je vous invite maintenant à regarder les artistes permanents, artistes et comédiens permanents de cette émission. C'est la compagnie Roger Louret. Et puis, tout commence par des chansons, vous venez de le prouver. En voici d'autres, la compagnie Roger Louret.